moyen qu'ils ont demandé aux pays membres de l'UEO, l'Union européenne occidentale. Le gouvernement belge a donc décidé de mettre une frégate à la disposition de l'UEO, laquelle est partie ce matin. Il existe une zone de contrôle devant les côtes du Monténégro, dans laquelle nos navires ont opéré, je veux dire les navires de l'UEO. Une seconde zone, le détroit d'Otranto, où un contrôle serait exercé sur tous les navires entrant dans l'Adriatique. L'opération Shore Vigilance durera normalement 3 mois. La mission exacte du Westender consistera en une surveillance des bateaux croisant dans la mer Adriatique et ses accès. L'Union européenne occidentale a jusqu'à présent impliqué 6 navires dans l'opération. En dehors de notre frégate, la mission comprendra des navires en provenance d'Italie, du Portugal, de France et de Grande-Bretagne. De plus, la 6e flotte américaine et une escadre de l'OTAN participeront aux opérations de contrôle. Port d'attache principal de notre frégate Westender pour cette mission, la petite ville touristique portuaire de Brindisi, située dans le talon de l'Italie et en bordure de la mer Adriatique. Une mer que nos marins commencent d'ailleurs à bien connaître puisqu'ils la sillonnent depuis le 1er octobre et ce jusqu'au 30 novembre prochain. 2 mois de travail rythmés en moyenne par 10 jours en mer et 4 à quai. Une mission de routine donc pour les 162 membres d'équipage, mais une mission qui s'inscrit cette fois dans le cadre de l'ONU. Nous sommes ici dans le cadre de l'ONU, dans le cadre des résolutions 713 et 757, mais dans le cadre plus spécifique de l'Union de l'Europe occidentale. Notre mission consiste à surveiller et à contrôler l'embargo dans la mer Adriatique et ses environs. Le but de cet embargo vise essentiellement à empêcher l'entrée d'armes sur tout le territoire de l'ex-Yougoslavie. Quant à la Serbie et au Monténégro, seuls les médicaments et la nourriture peuvent y accéder. Pour ce, la mer Adriatique a été scindée en 2 zones bien précises de contrôle, le détroit d'Otranto et ses côtes que vous voyez en arrière-plan, celles du Monténégro. Des zones contrôlées par ce centre nerveux du Westender. Ici, rien n'échappe au radar et aux autres joyaux de la technologie militaire, pas même ce sous-marin que vous pouvez apercevoir sur l'écran du sonar. Grâce à nos radars, on détecte un navire où on passe à l'autre navire et on dit voilà, là il y a un contact. La deuxième phase, c'est l'identification. Il faut bien sûr savoir si c'est un ferry, un pêcheur, un yacht, parce qu'il n'est pas question de challenger n'importe qui, n'importe quoi. Une fois qu'on a identifié ce contact, on s'approche le plus près possible et on commence à l'appeler par radio. Des challenges, des contrôles comme celui-ci, nos marins en ont déjà accompli plus de 200 depuis le début de leur mission. Un travail qui porte ses fruits puisque de moins en moins de bateaux osent encore s'aventurer dans cette zone et contourner les lois de l'embargo. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre bateau belge joue un rôle très dissuasif. L'effet est quand même assez important parce qu'un navire, à partir du moment où il est considéré comme suspect, donc où il a commis une faute, il est considéré comme suspect, il sera sur la liste noire des navires marchands dans tous les pays d'Europe occidentale. Donc il aura très difficile de trouver un chargement et son armateur n'a pas du tout intérêt à ce qu'il soit sur la liste noire. Mais face à un navire qui refuse de respecter les règles de l'embargo, les possibilités d'action de nos marins sont pour ainsi dire nulles. Nous ne pouvons pas faire grand-chose tout seuls. Nous pouvons seulement informer la côte de ce qui se passe. Et eux agiront en conséquence. Aux côtés de la Belgique, on retrouve dans cette mission UEO, la France, l'Espagne et l'Italie. Des nations qui ont également envoyé des navires de guerre pour faire respecter l'embargo. Le 1er décembre prochain, un navire d'un autre pays viendra prendre la relève de notre Westender. Quant à notre équipage, il est attendu au port de Zeebrugge pour le 11 décembre. Depuis 1988, la Force navale organise des journées de famille. Le 14 novembre dernier, c'était le cas pour les familles de nos marins qui sont actuellement à bord du Westender. L'opération Sharp Vigilance fut donc expliquée et les familles purent voir des images de la vie à bord et poser des questions. Ce sont des questions sur la vie à bord d'une part, mais aussi sur les mouvements du navire, de façon à ce qu'ils puissent retrouver leur mari, leur frère, leur fils lors d'une escale.
Le retour de nos militaires, quant à lui, est postposé de 6 semaines. Nos marins devraient donc être chez eux au mois de janvier. Le Zinia est arrivé à Kismayo au début du mois de janvier. C'était le premier navire à entrer dans ce port, dont l'approche est rendue difficile par les épaves de bateaux somaliens qui l'encombrent encore. Avec ses 75 hommes à bord, le Zinia a une double mission. Baliser le port pour permettre à d'autres navires d'y accoster. Au moment où nous l'avons visité il y a 15 jours, son capitaine nous confirmait que cette mission était déjà remplie. L'autre mission du Zinia, c'est de veiller à ce que les paracommandos présents à Kismayo ne manquent de rien. Dans ses cuisines, les cuistots s'activent chaque matin. Une boulangerie est prévue, le pain est cuit sur place. Le dimanche, kramik, steak et frites sont au menu. La cantine des parabèges ne fait pas lire d'envie les soldats américains qui échangent 3 de leurs rations contre un repas frais sorti des cuisines du Zinia. Avant son avarie, le navire se ravitaillait au Kenya en produits frais. Privé de bonnes choses, à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux, sous un soleil implacable, dans un milieu particulièrement hostile, cette panne du moteur du Zinia pourrait avoir, si elle se prolonge, un impact négatif sur le moral des paras, qui devront rester entre 4 et 6 mois en Somalie. Septembre 1991. En raison de l'intensification du conflit en ex-Yougoslavie, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté une série de résolutions. Celle qui porte le numéro 713 interdit l'importation de tout matériel militaire ou pouvant servir à des fins militaires vers l'ex-Yougoslavie. La résolution numéro 757 concernant plus particulièrement la Serbie et le Monténégro suivra bientôt. Celle-ci interdit en plus l'importation et l'exportation de tous produits commerciaux, à l'exception de vivres et de médicaments, de et vers les républiques d'ex-Yougoslavie. C'est en vertu de ces deux résolutions que l'OTAN et l'Union de l'Europe de l'Ouest ont monté l'opération Sharp Vigilance, afin d'observer le trafic maritime de la mer Adriatique. Au mois de novembre 1992, le Conseil de sécurité a voté la résolution portant le numéro 787. Elle permet le contrôle effectif de la marchandise et l'arraisonnement du transporteur en cas de découverte de marchandises contrevenant aux autres résolutions de l'ONU. Sharp Vigilance s'est donc muée en Sharp Fence, opération à laquelle a participé l'OSD sous les ordres du commandant Cook. Vous voyez ici la carte de la mer Adriatique. Ceci est l'Italie avec la botte. Ceci est la Yougoslavie. Ceci est l'Albanie. Il se fait que les opérations relatives à l'embargo sont effectuées par deux escadres. Une escadre de l'OTAN appelée Stanao for Med, Standing Naval Force Mediterranean. Elle se compose de 8 navires provenant de 8 pays différents et l'escadre de l'UEO. La Belgique fait partie de l'escadre de l'UEO avec l'Italie, la France, le Portugal et l'Espagne. Ce sont les navires qui font partie du groupe de l'UEO. L'objectif de ces deux groupes est le contrôle du trafic sur la mer Adriatique. Le théâtre des opérations est divisé en 3 zones. La zone italienne reste sous le contrôle des gardes-côtes italiens. Il reste donc 2 zones, Otranto et la Yougoslavie. L'escadre de l'UEO et l'escadre de l'OTAN s'échangent ces zones plus ou moins toutes les 4 à 6 semaines. Voici la ligne de démarcation formée par la limite des eaux territoriales ex-yougoslaves. Nous ne pouvons pas la traverser, évidemment. Notre mission dans cette zone est d'être gardien de but, c'est-à-dire que le navire qui se trouve ici est le dernier rempart pour les navires qui seraient passés au travers des mailles du filet ou qui auraient signalé une destination italienne, mais seraient tentés de quand même tourner vers la Yougoslavie. La plupart des navires évitent cette zone. Dans le sud, en revanche, il y a beaucoup de trafic. Tout le trafic maritime passe par le détroit d'Otranto. Tout le trafic pour la mer Adriatique, c'est-à-dire pour l'Italie et la Yougoslavie, passe par ici. Le trafic entrant est important. Il doit être contrôlé, on doit connaître sa destination. Le trafic sortant est en général directement autorisé, sauf contre ordre. Première phase, l'observation. Tout est mis en œuvre afin de connaître le mieux possible le théâtre des opérations. L'appareillage radar d'un navire de guerre permet de couvrir une aire déterminée.
Afin d'avoir à tout moment une image du trafic à contrôler et des opérations en cours, le WISDIP peut échanger ses informations avec les navires alliés opérant dans son environnement immédiat. De plus, il dispose d'une documentation importante ainsi que d'un flot quasi ininterrompu de dépêches concernant les contrevenants potentiels à l'embargo. L'équipage du WISDIP est aussi à même d'identifier un navire à partir de ses émissions radar. Les navires éventuellement suspectés sont donc repérés à grande distance et la course du WISDIP peut être adaptée afin de les prendre en chasse. Arrivés à une destination permettant le contact visuel, les membres d'équipage en poste à la passerelle interpellent le pourchassé. Ils le somment, en vertu des résolutions 713, 757 et 787, de s'identifier, l'oblige à déclarer sa provenance, sa destination, ainsi que la nature des marchandises qu'il transporte. Watchman, channel 16, I'll be ready. Si l'une de ces données permet de douter de l'intention de l'intéressé de respecter l'embargo, ou si tout simplement il se dirige vers l'un des ports ex-yougoslaves, une demande de boarding est introduite à l'état-major de l'UEO à Rome, qui répond dans les plus brefs délais. Capitaine, je suis l'officier commandant le vaisseau de guerre WISDIP, agissant pour le compte de l'Union de l'Europe occidentale en exécution des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur, il est de mon intention de vous envoyer un parti d'abordage afin d'examiner vos papiers et votre cargaison en vertu de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, numéro 787. Aucun mal ne sera fait à votre navire, votre équipage ou à votre cargaison. Le boarding lui-même est toujours dirigé à bord du navire abordé par le même officier. L'équipe de base se compose de 11 hommes, complétés par deux équipes de recherche supplémentaires de 4 hommes, chacune pour les navires plus grands ou d'accès plus difficile. Ces gens se tiennent sur le pont et une partie d'entre eux se rend sur la passerelle afin de prendre connaissance d'une série d'informations visuelles. Comment se rendre sur la passerelle, etc. Une fois que ceci est clair, je donne un briefing sur le comment et pourquoi du boarding. Ensuite, le commandant en second fait un briefing. Quand c'est fait et que nous sommes à une distance raisonnable du navire, on descend les zodiacs à la mer. Nous avons deux zodiacs transportant l'un 5 personnes, l'autre 6 personnes qui sont mises à l'eau. Ce sont de petits bateaux rapides, mais il est clair que par gros temps, les boardings ne se font pas sans difficulté. Il est évident qu'on fait très attention à la sécurité pendant la progression des gens. Chacun couvre le reste de l'équipe. Et dès que nous sommes sur le pont et que j'ai expliqué l'utilité du boarding au commandant du navire, nous vérifions les papiers. Ensuite, nous contrôlons l'équipage et enfin on contrôle la cargaison elle-même. Celle-ci est couverte par deux papiers importants, le Bill of Loading et le Cargo Manifest. Tout est checké, rechecké et re-rechecké. Quand tout cela semble être en ordre, je rapporte au commandant et lui demande le feu vert pour laisser le passage au navire. Si tout est en ordre et si nous recevons l'ok du commandant, nous quittons le navire et nous nous rendons à nouveau à bord. Le bilan jusqu'à présent est de 507 Challengers et 42 boardings. De ces boardings, nous en avons dû escorter 3 d'entre eux et il y en a 4 que nous n'avons pas pu inspecter à cause du mauvais temps. 3 prises importantes. D'abord le Dimitrakis qui a été intercepté alors qu'il avait déjà sa cargaison de charbon dans le port ex-yougoslave de Bar. Ensuite le Vela Luka renvoyé vers Bari pour un contrôle approfondi de sa marchandise. Elle s'est avérée être essentiellement composée d'armes et de munitions. Enfin le Zaher 1, intercepté alors qu'il tentait d'exporter une cargaison de bétail vers le Liban. Il a été escorté jusqu'aux eaux territoriales ex-yougoslaves. Bilan léger, il n'en est rien. Tant que chaque navire entrant en Adriatique se fera contrôler, la tentation de faire de la contrebande d'armes à destination de l'ex-Yougoslavie restera marginale. Quoique la solution du conflit ne sera pas atteinte par l'embargo uniquement, ce dernier contribue en tout cas à éviter l'aggravation de cette guerre aux portes de la communauté européenne.
1er avril 1993, le Westdeep a pris le cap de Zeebrugge après une mission de 3 mois en Adriatique. Il y a contrôlé le trafic maritime et fait respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à l'embargo contre les républiques d'ex-Yougoslavie. C'est aussi l'occasion pour le prince Philippe de rendre une visite au commandant et à l'équipage. À peine déposé à bord du Westdeep par un hélicoptère de la marine française, le prince a eu l'occasion de recevoir toutes les explications relatives à la mission de la frégate. Après s'être rendu compte des différents aspects techniques et tactiques de la mission, le prince a manifesté son intention de rencontrer les différents membres d'équipage. De l'équipe de boarding aux sous-officiers, en passant par les matelots, le prince a passé un moment à s'entretenir avec chacun en toute simplicité. Chacun s'est présenté et a pu expliquer sa fonction ou éclairer le prince sur l'un ou l'autre aspect de la vie à bord. Chose auquel le prince semblait accorder une grande importance, si l'on en croit le grand nombre de questions qu'il a posées. À 17h, le prince quittait le bord dans la rade du port de Cherbourg, sans doute appelé par l'une de ses nombreuses obligations. Au lendemain de la visite princière à son bord, le Westdeep se dirige donc vers le port de Zeebrugge. Alors qu'il passe au large d'Ostende au niveau de la bouée Alpha 1, bien connue des navigateurs, un appel de détresse se fait entendre à la radio du bord. Le capitaine a probablement perdu connaissance. La situation paraît grave. Le nom du yacht est le Scheherazade. Nous sommes dans sa position. Le Zodiac et le docteur sont prêts. Nous allons prodiguer les premiers soins en attendant l'hélicoptère de Coxyde. Il s'est avéré par après que le skipper du Scheherazade était décédé des suites d'une crise cardiaque. Son second, en état de choc, a été transféré à l'hôpital de Furnes par l'un des Sea Kings de la force aérienne stationnée à Coxyde. Le technicien a su faire redémarrer le moteur afin de faire avancer le yacht. Maintenant, la dernière mission est de reconduire le yacht à Ostende. Les deux personnes à son bord s'en chargeront. Nous leur avons souhaité un bon voyage. Nous les reverrons de toute façon à Zeebrugge. Cette dernière péripétie écoulée, le Westdeep pouvait réentamer sa manœuvre d'accostage. Tout l'équipage était présent sur le pont, en première tenue, pour saluer la famille, les collègues et les amis venus les accueillir. Et c'est finalement au son de la musique de la force navale que le Westdeep est venu s'amarrer devant la foule, pressé de retrouver qui son mari, qui son fils, qui son ami. Le Wandelaar et le Westdeep se trouvaient à quai côte à côte dans la base navale de Zeebrugge. Après la force terrestre à Bourg-Léopold et la force aérienne à Melsbrook, le roi est venu écouter les impressions des marins durant leur mission en mer Adriatique ou au large des côtes somaliennes. Le roi était accompagné du lieutenant-général Charlier et du ministre de la Défense, M. Delcroix. Notre souverain a parlé avec l'équipage du Westdeep qui devait contrôler l'embargo des Nations Unies contre la Serbie et le Monténégro. Était absent à Zeebrugge le Zinia, celui-ci est en mission en Somalie. Le roi a tout de même parlé à une délégation de la première équipe du Zinia, qui a été relevée depuis peu. Après les exercices de préparation, à présent la réalité. Une dernière équipe de Télévox est rentrée de Somalie le 21 juin. Et pour l'instant, tant mieux faut-il le dire, le calme domine Kismayo. Déjà une preuve que le travail des militaires belges porte ses fruits. Alors pourquoi ne pas boire un verre de thé? Vous l'écoutez là-dedans? L'escalade de Mogadiscio a-t-elle eu un impact sur la vie à Kismayo? Dans notre zone de responsabilité, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut affirmer très clairement que ça n'a pas été le cas. Donc il n'y a aucun signe d'hostilité qui a été perçu à aucun endroit où nous avons des éléments depuis les événements de Mogadiscio. Par conséquent, je pense qu'on peut considérer, tout en restant bien entendu très prudent, que ça pourrait rester comme cela.
dans la ville même de Kismayo, la police station reprend peu à peu ses droits. Ce pas vers la discipline est peut-être un premier pas vers un désir de renouer avec la paix. Uniforme et drill, un peu de quoi marquer ce pas avec l'aide de notre troupe. Good work for you. We are happy about how our relations are very good. Cependant, la prudence est toujours de mise et rien n'échappe à l'œil vigilant et alerte de nos soldats. Fouilles des véhicules et contrôles des passagers sont encore le quotidien des responsables des checkpoints. Le travail réalisé sur place n'est possible que grâce à la parfaite collaboration entre les différentes forces. Forces aériennes et forces navales sont nécessaires à l'opérationnalité sur place. Ainsi, la force aérienne travaille d'arrache-pied tant pour emporter les troupes que pour les ravitailler. Les As de nos C-130 connaissent bien leurs machines, et quand ils ne volent pas de Melsbrook vers Kismayo, ils peuvent faire des largages comme celui-ci à Jilip, ou encore, ils font la navette entre Kismayo et Mombasa, ici, atterrissage à Mombasa. Là, au Kenya, havre de paix, le ravitaillement se fait régulièrement pour offrir un minimum de confort à quelques 1000 de nos hommes, de l'eau, des vivres, du matériel. Mais ce n'est pas tout, la force navale aussi est indispensable. À Kismayo, les troupes ont ressenti l'absence du Zinia, car pour des raisons d'entretien et de réparation, le bateau de soutien logistique a été en cale sèche dans le port de Mombasa, une mission indispensable pour un travail de qualité. Tout ce labeur, la population somalienne en est bien consciente. À Jilip d'ailleurs, les enfants ont composé une chanson en l'honneur d'où nous sommes tous, une gratification qui fait toujours plaisir. Le port d'Anvers où des plongeurs militaires inspectent les cargos américains. Non seulement les marins effectuent ce travail difficile, mais le génie et les paras ont également besoin de plongeurs pour un job qui comprend tout de même certains risques. Le chemin qui mène au brevet n'est pas vraiment de tout repos. Le côté romantique du bleu de la mer s'en va rapidement. Les tests sont physiquement et psychologiquement très sévères et très éprouvants. L'endurance et les facultés respiratoires sont des conditions sine qua non. Les plongeurs doivent être résistants aux hautes pressions de l'air et de l'eau. La majeure partie des personnes qui viennent à la force navale et à qui on demande quelle spécialité ils veulent éventuellement faire, eh bien la plupart nous répondent toujours la plongée. Parce que toutes ces personnes ont déjà vu la plongée à la télévision. Par exemple, le commandant Cousteau dans la mer Rouge et tous ses tournages sur les baleines par exemple, mais aussi lorsqu'il nageait avec des poissons, ce sont là des images qui frappent l'imagination. Et tous ces gens pensent aussi la plupart du temps qu'ici, chez nous, de telles choses peuvent également se passer. Mais ce n'est vraiment pas le cas, surtout dans les premiers mois de l'instruction. Beaucoup de gens, avant de venir ici, avaient déjà effectué un peu de plongée dans une piscine avec un masque ou bien des lunettes sous-marines, seulement dans une eau claire où tout est visible. Mais ici, dès le premier jour, ils vont dans une toute autre sorte d'eau.
Je dois vous avouer que dans cette eau-là, on ne voit absolument rien. Parfois, certaines personnes ont peut-être peur de l'eau, et s'ils n'ont pas peur, ils souffrent de claustrophobie. Des gens ont parfois peur dans l'ascenseur, alors quand ils viennent ici, ils se sentent coincés, parce qu'ici, il n'y a aucune visibilité. Je n'ai absolument rien vu. Alors dès que l'on remonte, cela devient un peu plus clair, mais c'est terrible. C'est vraiment assez spécial comme truc, mais je crois qu'il faut s'habituer. Hé, la ligne elle est là. On te tient. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? J'arrive pas à respirer comme dans le monde. C'est pas l'appareil, ce monde. Bon, je peux pas t'aider. Hein? Ben non, je suis là. Allez, on est là encore une fois? Les plongeurs militaires sont très différents des plongeurs par hobby. Non pas seulement parce qu'ils ne voient rien, mais aussi parce qu'ils sont obligés de s'exercer à respirer des mélanges d'air différents. Les plongeurs militaires utilisent également un casque avec liaison directe avec la surface. Grâce à ce casque, les plongeurs peuvent travailler plus longtemps dans l'eau et peuvent également parler avec leurs collègues qui sont restés là-haut. Paradoxalement, à toute cette technicité, l'ancien casque de plongée est également parfois utilisé. On l'utilise fréquemment, mais c'est plus pour l'aspect nostalgique que pratique. Nous ne travaillons plus beaucoup avec ce casque, mais il est toujours spectaculaire et attire donc les amateurs. Il est très vieux, mais il fonctionne toujours parfaitement. Mais il n'est plus très fonctionnel dans le contexte actuel. Le stage se termine dans la mer du Nord. Avec un peu de chance là-bas, il y aura un peu de visibilité. Mais ça, c'est toujours comme ça dans ce métier, on est sûr de rien. En tout cas, l'eau est glacée et il y a aussi également des courants sous-marins qui pourraient entraîner les plongeurs. De toute façon, les plongeurs, ils sont là pour travailler. Les plongeurs sont parés à toute éventualité. Ils savent ce qu'ils doivent faire et ils le font. Sans être trop chauvin, je peux dire que les plongeurs de la force navale sont un peu considérés comme des cas à part. C'est comme cela que ça se passe dans un groupe de spécialistes. La plupart de l'entourage ne comprend pas ce que les plongeurs trouvent d'excitant là-dedans, c'est un tout autre monde. C'est toujours un monde, un monde de silence, assez impressionnant. Et quand on s'aperçoit bien, il n'est pas du tout silencieux, ça frémit de vie, sauf dans le port d'Ostende évidemment, où on voit cadavre. Mais sinon, j'ai de bons souvenirs de plongée, de bonne ambiance. C'est à peu près mes meilleurs souvenirs et les mêmes grandes découvertes. J'ai trouvé un monde que je pensais terne, gris, qui parfois l'est, et parfois, bon, ne l'est pas du tout. Très, très vivant, très relaxant, on le trouve assez relaxant. La plongée est et restera toujours un travail dangereux, un travail qui fait appel à des circonstances inhabituelles. Quand un chalutier, par exemple, prend une mine dans ses filets, les plongeurs doivent être là. Il existe aussi un côté plus lugubre de ce métier. Quand un chalutier a disparu, les plongeurs doivent également répondre présents et sont souvent la dernière chance pour être sûr de la destinée de l'équipage. Quand on vient près de nous et qu'on suit l'instruction jusqu'au bout, une instruction qui est assez dure, ce n'est pas pour l'argent qu'on le fait, c'est par passion.
Il a été prouvé que la plongée est très mauvaise pour la santé. Récemment, il y a eu à la télévision britannique un documentaire à ce sujet. Et j'ai l'impression que beaucoup se sont arrachés les cheveux. Il y a beaucoup de personnes qui arrêtent. Oui, beaucoup y pensent, mais si ça ne va pas, alors ils pensent arrêter, mais ils recommencent quand même. Car au fond d'eux-mêmes, ils sont passionnés, la volonté de réussir est là, et ils se disent, je suis tout de même un plongeur. Le groupe des plongeurs des mineurs a été créé après la Seconde Guerre mondiale. Sa tâche consistait alors à détruire les mines et explosifs, vestiges du conflit. À l'époque, la côte et l'Escaut regorgeaient de milliers de pièges mortels. La première dénomination de nos plongeurs des mineurs était particulièrement en relation avec leur tâche initiale. Les Katy Mines, ou mines anti-atterrissage, ont inspiré le nom de Katy Mines Party. En 1962, le groupe adoptait le nom actuel de Naftclairmine. Jusqu'à présent, la tâche principale des hommes de Naftclairmine consiste à désamorcer et à détruire les explosifs trouvés dans les eaux territoriales, sur l'Escaut ou sur le territoire des communes côtières. Chaque année, des dizaines de tonnes de matériel explosif sont découverts sur notre territoire. L'année passée, le service de déminage détruisait plus de 318 tonnes d'explosifs lors de 328 interventions. Car le travail des démineurs ne se limite pas à des interventions en milieu aquatique. Sur Terre, ils ne sont pas moins actifs, nous y reviendrons tout à l'heure. Jetons d'abord un coup d'œil à nos plongeurs démineurs. L'instruction consiste principalement à adapter le plongeur au milieu aquatique. On opère une sélection des plongeurs à partir d'exercices dans l'eau, car ils doivent s'y sentir à l'aise. Plus tard, ces exercices sont donc une amélioration constante de la maîtrise de soi, plus de la sécurité. Sélection, quels en sont tout le monde? Tout le candidature. Mais l'étape la plus importante est de passer au centre hyperbare, tu es des tests médicaux, psychotechniques. Déjà, certains candidats sont éliminés à ce niveau car ils ne répondent pas à un profil médical. Les tests en question sont le résultat d'une évolution de plusieurs années en collaboration avec la force navale. Il faut impérativement répondre à ce profil type. Waarom zit nu die kleine vertraging daarin en dan zien we met een één invloedssysteem. Les plongeurs des mineurs ont un rôle clé dans les tâches de la force navale. Ils veillent entre autres à la sécurité des passages à l'entrée de nos ports. Lors d'éventuels conflits, les mers peu profondes et les canaux sont des emplacements particulièrement idéaux pour y dissimuler des mines. Les plongeurs des mineurs occupent donc clairement un rôle majeur à l'intérieur des forces armées. Pour une formation optimale de ces plongeurs, leur terrain d'action n'est pas limité aux eaux territoriales.
Dans le cadre des missions de l'OTAN, nous sommes souvent envoyés sur des missions internationales. Durant la guerre du Golfe, nos plongeurs démineurs ont désamorcé plus de 200 mines. La Belgique joua donc un rôle déterminant en ce qui concerne les opérations de déminage. Les démineurs belges sont certes particulièrement performants en regard de pays tels que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France ou les Pays-Bas. Avait donc fait qu'un petit pays comme la Belgique peut être particulièrement efficace, petit mais costaud. Un plongeur démineur se trouve confronté à deux types de risques. Le risque inhérent à la plongée et celui propre au déminage. Les plongeurs de Nafclermine sont particulièrement bien entraînés. Ils doivent non seulement apprendre les codes de plongée, mais également tout ce qui concerne les explosifs. La formation se termine à Toulon. À l'école française de plongée de Saint-Mandrier, la touche finale est donnée à la formation des plongeurs démineurs. Intéressante en soi, car elle permet aux plongeurs de prendre connaissance des conditions de plongée dans d'autres eaux. Contrairement à la mer du Nord, où la visibilité en plongée ne dépasse pas une vingtaine de centimètres, une plongée en Méditerranée permet d'y voir à plusieurs dizaines de mètres. Et pour profiter de ces conditions exceptionnelles, les plongeurs belges plongent deux fois par jour. C'est cool, on s'amuse bien et tous les poissons sont gentils. Chaque plongée leur permet d'atteindre une profondeur de 60 mètres. Les plongeurs sont toujours accompagnés par un médecin et sur le bateau qui les accompagne en Méditerranée se trouve une chambre de décompression. Comme vous avez pu le remarquer, plonger n'est pas sans danger. Plusieurs problèmes peuvent survenir. Tout d'abord, il y a l'augmentation de pression de l'ordre d'une atmosphère tous les 10 mètres. Cela signifie une charge supplémentaire, posant une situation anormale pour l'oreille et les poumons. En plus, un excès d'azote dans le sang qui se dissout dans les tissus. Car vous savez que 79% de l'air est composé d'azote. Et quand on est sous pression, l'azote se répand dans les tissus. Et des problèmes graves surviennent quand on ne respecte pas les paliers de décompression, du genre de l'apparition de bulles dans le corps. Les conséquences peuvent être dramatiques. Au niveau de la moelle épinière, de l'oreille interne et des articulations, le point le plus grave est atteint quand il y a une obstruction de la circulation sanguine ou une destruction de certains tissus. C'est pour cette raison qu'on est muni de caissons pour y mettre nos plongeurs. Ainsi, dès qu'un incident surgit, il nous arrive de placer rapidement les plongeurs dans des conditions spéciales de pression. Afin d'éliminer l'excès d'azote, on réintroduit une certaine quantité d'oxygène. Mais fort heureusement, les accidents sont relativement rares. Le stage à Toulon n'a rien d'un séjour au Club Med. Le port français a été choisi surtout parce que la mer y est très claire. À Toulon, nous avons la possibilité de faire de la plongée en eau profonde sans grand danger. En plus, nous bénéficions de conditions optimales, absentes en mer du Nord. Excellente visibilité et absence de courant. Cela nous est permis pendant les 14 jours de stage. Nous avons alors la possibilité d'avoir nos premiers contacts visuels en présence de nos instructeurs, ce qui n'est pas possible chez nous. Si on plonge avec une combinaison de plongée, il est agréable de voir les élèves. Pour les élèves plongeurs, le stage est donc le point final de leur formation. Après le stage, un élève plongeur est attaqué les choses sérieuses. Mais notre service de déminage n'est pas uniquement composé de plongeurs.
sur le territoire belge, les missions de déminage sont fréquentes. Nous avons regardé l'avant de cette bombe, il n'y a pas de fuse. Il n'y a qu'un bouchon, le détonateur est à l'arrière. Pour travailler en sécurité, nous allons la désarmer avec un rocket range. C'est un système à visser qui est placé sur le détonateur et qui est mis en activité par l'explosion de deux balles à blanc de .50 placées en sens opposé, ce qui donne un mouvement de rotation. Par le mouvement de rotation et l'élastique placé dessus, on fait exploser la charge à une distance de 100 mètres. Le détonateur va automatiquement le déclencher et partir. La simulation présentée ci-après permet d'apprécier la procédure qui suit la découverte d'un explosif. Bonjour monsieur, je viens de la plage et j'ai trouvé un obus, c'est une munition. Lorsqu'un explosif est découvert, la police locale envoie un fax au service de déminage qui se rendra immédiatement sur place. Bonjour messieurs, il faut la transporter à un endroit où elle puisse exploser. Les missions ne se limitent pas au déminage de matériel explosif. Si à titre d'exemple, une voiture piégée est découverte en Belgique, nos démineurs se rendent sur place dans les plus brefs délais. Tous les robots sont munis de deux caméras, une caméra couleur ainsi que des moniteurs que nous pouvons utiliser. Nous investiguons de A à Z avec réel. La caméra se trouve dans les environs de la voiture et quelque chose de suspect arrive. Que se passe-t-il? Bien, on part du principe que c'est une bombe. Tout cela pour plusieurs raisons et notamment par les recherches effectuées auparavant. Ce que nous avons fait avec le robot est primordial. D'abord, ouvrir le coffre avec un riot gun pour inspecter le paquet qui s'y trouve. Enfin, éventuellement, nous ouvrons les portes manuellement et nous détruisons le paquet d'explosifs. Le Zinia, un des deux navires de commandement et de soutien logistique de la force navale. 120 hommes d'équipage, mais aussi un hélicoptère Alouette 3 embarqué, qui doit se contenter d'une minuscule aire d'appontage située à l'arrière du bâtiment. Pour le mettre en œuvre, pas moins de 14 personnes sont nécessaires. La plupart de celles-ci proviennent bien sûr du Navy Flight de la force navale, ordinairement basée à Coxyde. Cette unité rattachée à la 40e escadrille possède 3 Alouette 3. Ces appareils s'acquièrent bien évidemment de nombreuses tâches, tant sur terre que sur mer. Nous avons donc profité de l'exercice Tanaforchamps pour vous présenter les missions souvent méconnues des hélicoptères de notre marine.
Nos alouettes ont beaucoup de missions. D'abord, il y a le support logistique au navire, cela veut dire transporter du matériel ou du personnel et les transférer vers les navires. Ensuite, nous avons l'aide médicale. C'est ainsi qu'il faut parfois transporter le médecin ou le dentiste à bord d'autres bateaux ou encore évacuer un patient vers la terre ferme. À côté de cela, il y a encore différentes missions de support, principalement en rapport avec la lutte contre les mines. Nous faisons donc du mine searching et nous balisons les zones à l'aide de bouées pour les chasseurs et les dragueurs de mines. Nous pouvons ainsi effectuer différentes missions de reconnaissance, par exemple pour le contrôle de la pollution de l'environnement. Nous assurons aussi le calibrage des radars et des missions de surveillance des zones de pêche et de la marine marchande, et puis aussi des missions de photos et de prise de vue. Finalement, nous pouvons faire pas mal de choses avec nos alouettes. La phobie des marins, c'est bien connu, c'est le feu. La lutte contre les incendies fait donc partie des exercices quotidiens du bord. C'est également l'occasion pour le médecin et les infirmiers de s'entraîner sous des brûlés grimés pour la circonstance. Si les blessures sont trop graves, l'alouette va permettre d'évacuer les victimes vers la terre ferme pour être traitées dans un centre hospitalier adéquat. En effet, ce type d'appareil est prévu pour transporter deux patients sur civière. Alors que les marins sont soit de quart, soit dans les bras de Morphée, un homme met lui plutôt la main à la pâte. Il s'agit du boulanger qui prépare ainsi le pain et la pâtisserie, non seulement pour le Zinia, mais aussi pour les autres navires de l'escadre. Au petit matin, sur la plage arrière, on prépare l'alouette qui va accomplir encore une des tâches particulières du Navy Flight. Vous l'avez deviné, notre hélicoptère va aller livrer le pain et autres gâteries aux différents navires. Une manne céleste donc, mais fort onéreuse, ou digne d'un standing non conforme aux normes militaires habituelles. Eh bien, pas du tout, car ce petit service va permettre aux équipages de l'alouette d'effectuer un entraînement à plusieurs disciplines, comme par exemple la navigation, le treuillage de précision, ou encore la recherche de navires. Janvier 1991, c'est le début de ce que l'on a appelé communément la guerre du Golfe. La Belgique n'était pas en reste dans les forces de la coalition. En effet, des chasseurs de mines accompagnés par le Zinia ont accompli un travail exceptionnel, à savoir la destruction de presque un quart des mines mouillant dans les eaux du Golfe. Évidemment, une Alouette 3 était embarquée à bord du Zinia. De nombreux souvenirs restent donc gravés dans les mémoires. Dans le Golfe, nous avons accompli une mission particulière. Nous devions aller chercher une équipe de la RTBF en Arabie Saoudite et le rendez-vous était fixé à Kafji. C'est une ville tout près de la frontière avec le Koweït et nous ne savions pas vraiment ce qui s'y passait et que le terrain d'aviation de Kafji avait été totalement déserté. Enfin, nous y sommes allés, quasi comme en pleine nuit car à cause de la fumée noire des champs de pétrole en feu, il faisait très sombre, même en plein jour.
door de rook van de brandende olievelden. Het was dus daar heel donker, zelf overdag. Finalement, nous avons trouvé les reporters tout en étant en contact avec les gardes-côtes arabes. Et puis nous sommes retournés vers le navire. Par chance, nous avons trouvé un morceau d'avion disparu, un bombardier A6 américain. Nous avons trouvé le morceau, plus précisément la dérive en mer. Nous avons lancé un flare, après cela, un navire s'est rendu sur les lieux et a embarqué cette pièce, sur laquelle on pouvait lire le numéro 531. Qui correspondait à un vol où les deux pilotes ont été portés disparus le 6 janvier. Ben, c'était une fois le matin, une fois le soir, on devait faire un vol de reconnaissance pour la protection du navire et nous avons découvert la mine sur la plage. La guerre des mines est bien la spécialité de notre force navale et les Alouettes y contribuent donc. Lors de notre visite au cours de l'exercice Stanaforchamp, nous avons assisté à un exercice de repérage de mines. Dès que la présence de mines est signalée, un briefing est donné aux pilotes en présence du commandant du Zinia, ou le Pacha en termes de marine. La mission commence alors réellement. Le mécanicien de bord observe la mer à l'aide de puissantes jumelles, tandis que le pilote effectue ce que l'on appelle un pattern, à savoir un vol permettant de survoler une zone de manière systématique. Une fois la mine repérée, un flare est lancé à côté de celle-ci, permettant au navire de lutte anti-mine d'intervenir en toute sécurité. Mais nos Alouettes sont-elles encore tout à fait opérationnelles pour les missions de la marine? L'Alouette est quelque peu limitée, surtout en ce qui concerne le poids. C'est ainsi qu'on dispose d'une masse maximum au décollage de 2100 kg, et cela signifie une certaine limitation des temps de vol. L'appareil est équipé pour le vol aux instruments, mais pas totalement. Ce qui fait que lorsque les conditions météo sont mauvaises, on est limité dans les possibilités. Très bonne machine. Elle a fait son temps, mais c'est une très bonne machine et elle a un hélicoptère très fiable. Je pense que c'est un des meilleurs hélicoptères, le moins de peine. Pour moi, l'Alouette 3 est un très bon appareil. Il est arrivé à la force navale en 1971. Nous sommes maintenant en 1992. Et l'appareil a beaucoup servi à bord des navires, certainement dans le Golfe, prouvant ainsi combien il était merveilleux. Espérons que le suivant que nous recevrons sera de la même qualité que l'Alouette 3. Mais le remplaçant des Alouettes 3 n'est pas encore prévu. Il faudra donc les maintenir en parfait état jusque probablement au-delà de l'an 2000. Mais pas de problème, le flight maintenant, c'est une réputation de sérieux qui dépasse nos frontières. Avec 6 mécaniciens, on fait tous les entretiens hélicoptères. Grande visite, petite visite, visite mensuelle. Mais que pensent les marins de leur hélicoptère? Car finalement, ce sont eux qui en bénéficient. L'hélicoptère permet de remplir complètement la mission d'une plateforme de soutien logistique et de commandement. Sans cet hélicoptère, nous serions très limités. Je peux ici souligner un nouvel aspect de mission qui a vu le jour suite au dernier conflit opposant l'Irak au Koweït, puisque cet hélicoptère peut être utilisé afin de détecter des mines flottantes. Mines flottantes qui représentaient un danger immédiat pour les navires déployés dans le Golfe.